So 2011, The Salesman. 2013, The Auction, which was at the Critics Week in Cannes. That's where I saw it. And now The Fireflies Are Gone, 2018. You premiered at Carlo Vivari. Congratulations on the comp slot there. And we're at TIFF right now before your domestic release. A slightly longer period between your second and third film. I was wondering if you are in a mode where you're tackling different things and you have different screenplays in the works. Are you thinking about a lot of ideas right now? Oui, effectivement. J'ai eu la chance de faire deux films en quatre ans. J'ai tourné à tous les deux ans. J'avais mon film, mais c'est pas vraiment un gros cycle parce que j'ai fait seulement deux fois. Je pense qu'après le démantèlement, en fait, c'est parce que j'ai travaillé sur deux autres scénarios après le démantèlement. Okay. Fait qu'il y a eu, bon, évidemment, la disparition des Lucioles, mais j'ai aussi travaillé sur une adaptation de Maria Chapdelaine. Okay. Et ça demandait plus de temps. Beaucoup, évidemment, Maria Chapdelaine m'a demandé beaucoup de recherches. Fait que je suis devenu un petit peu un historien. J'ai fait beaucoup de recherches historiques et tout ça. Fait que, mais aussi, ça, j'avais besoin de prendre, pas une pause, mais prendre plus de recul. Parce que je pense qu'en évoluant comme cinéaste, s'il y a une chose qui est, je pense qu'il est vrai, c'est qu'il y a de plus en plus de choses que je sais que je ne veux pas faire. Fait que les choses que, avec le premier film, on veut faire plein de trucs, le deuxième aussi, mais à un moment donné, ça, il y a plus de choses qu'on a faites qu'on ne veut pas répéter ou que... Fait que c'est pour ça que j'ai pris plus de temps. Fait que je cherchais des idées, j'ai fait, évidemment, je lis beaucoup, je cherche des sujets, des projets, fait que... Mais oui, j'ai pris... là, c'est, je pense que ça a été quatre ans entre entre le démantèlement et la disparition des Lucioles. There's a specific DNA that you could potentially say that exists in all three films. Oui, je pense qu'il y a beaucoup d'éléments qui reviennent. Bon, comme, par exemple, bon, la relation père-fille, qui sont dans tous mes films. Je ne sais pas pourquoi, ça, j'ai besoin d'une psychanalyse pour découvrir, je ne pourrais pas l'expliquer. C'est peut-être parce que moi-même j'ai des filles, mais je ne crois pas, je ne sais pas. Mais évidemment, la question de disparition, d'apparition aussi, c'est des choses que j'ai exploitées, je pense, dans tous mes films. Mm-hmm. Dans le démantèlement, il y avait, par exemple, les filles du personnage joué par Gabriel Arcand. Bon, il y a une fille qui est très présente, qui est là au début et qui finalement qui disparaît le reste du film. L'autre qui est disparue tout le long du film et qui finalement qui apparaît. Parce qu'il y a une question, je trouve ça intéressant, le mot disparition. La disparition, c'est quelque chose qu'on a cessé de regarder, qu'on a cessé de suivre du regard d'une certaine manière. Pas nécessairement qu'elle est complètement disparue, c'est juste qu'on ne la voit plus. Mm-hmm. Et quand quelque chose disparaît aussi, c'est qu'on n'est jamais loin de voir une autre, quelque chose d'autre apparaître. Puis ça, ben, au cinéma, c'est intéressant à exploiter. Un peu comme une luciole, quand qui disparaît, on sait qu'elle va réapparaître ailleurs. Yeah, yeah. Mais elle peut même seulement la suivre. Et ça prend, évidemment, l'obscurité pour voir ces petites lumières-là. Fait que c'est des thèmes qui... Oui, il y a des thèmes que sur lesquels j'aime revenir. Il y a des motifs, ou des fois des idées que je reprends de film en film. So we get this feeling that instead of the characters wanting to escape and go elsewhere, that they're anchored down, there's a much more feeling of instead of something like a magnetic pull of a big city like Montreal, which you find in other films, contemporary films from your peers, this one is much more about being anchored down. J'habite encore à Chicoutimi. Toujours au Saguenay, dans la région où on a tourné. Yeah. J'ai tourné mes deux autres films, Le Vendeur, Le Démantèlement, au lac Saint-Jean, une région. Yeah. Avec le Saguenay, qui fait partie avec le Saguenay. Mais la région du Saguenay avec le fjord du Saguenay et la ville de Chicoutimi, Jonquière, la baie. Ça, c'est vraiment, c'est là où j'habite. Et moi, ça vient naturellement pourquoi je décide de tourner là. Je sais pas, quand j'arrive pour écrire le scénario, c'est des lieux de tournage qui me viennent naturellement, je dirais. C'est pas un dogme que je m'impose ou un devoir que de faire du cinéma en région. Mais ce que je dois dire, c'est que pour moi, dans chacun de mes films, c'est que les villes ne sont pas vraiment identifiées. Évidemment, on peut les reconnaître, parce que bon, dans le cas de la baie, on reconnaît la baie, c'est facile, mais pour moi, c'est
cette ville-là joue un rôle de la même manière qu'un acteur peut jouer un rôle au cinéma. Yeah. Fait que c'est, évidemment, on lui reconnaît des ressemblances, mais c'est pas le, je souhaite pas qu'on puisse... Il y a des différences aussi. La ville de Saguenay est quand même différente de celle qui est dans le film, je pense. Oui, oui, oui. Puis, mais évidemment, on peut la reconnaître, les gens qui... Mais c'était pas mon intention de raconter l'histoire. C'était pas l'idée de qu'elle soit attirée vers ailleurs ou l'idée qu'elle puisse s'en aller ou tout ça, c'est plus, je dirais, c'est plus une allégorie ou une métaphore, je pense, dans le film. Ça exprime une idée, mais c'était pas du tout le sujet ou ma prétention de vouloir faire un film sur l'exil ou un truc comme ça. C'était pas ça. Yeah. C'est pas ça non plus qui est... Je pense pas que ce soit le moteur de ce qui pousse Léo à exister dans le film. Là. Je pense que sa préoccupation, c'est plutôt qu'elle est cynique et elle est fatiguée d'être cynique. Elle est comme un épuisement, un cynisme. Et elle découvre en Steve, le personnage de joueur, le guitariste, une espèce de naïveté ou un regard innocent, une sorte de rappeler de peu importe, de l'amour au sens très large ou de la naïveté ou de la musique. Tout ça, c'est synonyme dans le film, mais c'est comme lui redonner une espèce de regard bon et simple sur les choses, plutôt que d'avoir un regard critique. C'est ça. Bien, tout le film est basé là-dessus. C'est pour ça que j'ai voulu aussi faire un film plus généreux avec la musique qui est un petit peu too much, d'y aller de manière vraiment plus naïve. Yeah. Plutôt que de faire un film très cérébral. Quoique finalement, je pense que j'ai fait un film très, vraiment... Je reviens au côté cérébral après coup, mais je voulais faire le film plus avec mes tripes et y aller de manière... pour trouver un naturel. T'sais. How do you relate to Arcade Fire's The Sprawl 2? Which is very, I don't know if you've seen the video clip, it's one of my favorite video clips, and it's in Villa Salle, and it's which is a dead zone. And c'est, je sais pas, on cherchait une chanson avec Stéphane Lafleur, le monteur, puis à un moment donné, j'ai pensé à cette chanson-là, puis la coïncidence, ce qui est drôle, c'est que c'est Stéphane Lafleur qui a monté le vidéoclip, film. Ouais. C'était facile d'écrire à la chanteuse. C'est comme ça qu'on a fait. I'm curious about that, actually. I'm noticing that a lot of filmmakers are entrusting montage or editing services to fellow filmmakers. How is that perhaps different from then working with somebody who's just strictly an editor? Like, how does that trust... Ben, Stéphane a travaillé beaucoup comme monteur aussi. Il y a beaucoup d'expérience. Et ça, c'est important d'avoir qu'un monteur puisse avoir des réflexes de montage. Mm-hmm. Mais je pense que une des grandes qualités... L'essentiel quand on fait du montage, c'est d'avoir un interlocuteur, un double, si on veut, pas un double, parce qu'on est différent, mais une personne avec qui dialoguer. Yeah. C'est une personne, un monteur, c'est quelqu'un avec qui on parle toute la journée. En tout cas, moi, plutôt que de parler seul ou m'interroger ou poser des questions, je pose des questions à Stéphane. Parfois, lui m'en pose. J'essaie d'expliquer. Parfois des intuitions ou des trucs, ce que le montage va créer. J'en parle. C'est comme vraiment un dialogue. Uh-huh. C'est quelqu'un avec qui on parle beaucoup. Fait que, évidemment, que parler avec un cinéaste, quelqu'un qui fait des films aussi, c'est très précieux. Ça fonctionne bien. Puis, évidemment, Stéphane fait du cinéma avec son style à lui. Je pense qu'on est quand même différents. Very ce que j'apprécie beaucoup de travailler aussi avec Stéphane, ce que je dois dire, c'est que, bon, dans ce cas-là, c'était vraiment. Très utile que de Stéphane est aussi musicien, donc il a une oreille musicale. Okay. Et moi aussi, j'ai eu un petit peu de la musique. J'ai étudié quand même la musique quand j'étais plus adolescent au conservatoire et tout. Fait que c'est d'avoir une approche comme ça plus musicale. Quand on aborde aussi tout le travail justement pour choisir de la musique, parce que Stéphane a quand même eu des bonnes idées de trouver des chansons. Mm-hmm. Fait que, ouais, c'est ça. C'est une collaboration qui. Que ce soit un autre cinéaste, pour moi, c'est ça. C'est juste que. Ça me permet de parler de cinéma davantage. Quoique les monteurs sont cinéastes aussi. Tous les monteurs sont cinéastes. En fait, tous les gens qui font des films, pour moi, sont cinéastes. That's well put. Carole Tremblay, who I potentially discovered late. I discovered her with Anne Mon's film, which I absolutely adored. I like her silent defiance. I like how she takes a firm stance, whether she's
she's conflicted or in the know or perhaps in error, at fault. I like how the conflicts are nuanced in this film. It's a really strong female protagonist, a teenage one. And then I was thinking, perhaps there's elements of you as a person in this person, just based on the milieu, based on relationships that you can have in a small setting like that. I was wondering if there's any truth to that. Do you find a little bit of yourself in this character that you created? Je pense qu'au départ, l'idée de... Je me suis vraiment projeté dans un personnage d'adolescent ou d'adolescente. C'est vraiment... C'est mon malaise personnel. Quand j'ai commencé à écrire le scénario, le sujet, ce que je voulais aborder, c'était vraiment mon malaise avec ma fatigue, par exemple avec le cynisme ambiant, mais aussi mon cynisme. Mm-hmm. Le film aussi. Il y a beaucoup de cynisme dans le film. Mm-hmm. Mais justement, l'idée, c'est de montrer comment on peut s'en sortir et c'est quoi le remède au cynisme. Ouais, donc, c'est ouais. de revenir à une certaine naïveté. Yeah. Ou faire de la musique. Yeah. Puis, mais vraiment, je trouve ça intéressant d'y aller avec un personnage adolescent parce que je pense que c'est un peu comme ça que je me sens. Je dirais politiquement parlant, actuellement, je me sens un peu comme un adolescent. Je suis un peu frustré. Okay. J'ai l'impression que je n'ai pas le contrôle. Okay. Je n'ai pas de pouvoir. Yeah. Mais ça s'arrête là. Yeah, yeah, yeah. Évidemment, le personnage, tu parlais dans... Il y a quelque chose, évidemment, ce que je voulais faire, c'est un personnage avec beaucoup d'ambiguïté. On ne sait pas tout le temps. Je pense qu'elle-même, elle ne sait pas ce qu'elle veut. Yeah, it's not black or white. Ouais, c'est vraiment, toujours, je m'amusais à dire, ou à, en tout cas, je le pensais, mais j'en ai dit souvent à des collaborateurs, c'est un peu comme si qu'elle avait à la fois le pied bien enfoncé sur l'accélérateur, mais en même temps sur le frein. Mm-hmm. C'est comme un shuriken dans sa tête. Elle ne sait pas si elle avance, elle recule. Avant. Et quand elle fait un pas à l'avant, ben, elle regrette d'avoir reculé. C'est un peu comme ça que je voyais le personnage. Vraiment, le personnage qui est un peu tiraillé entre est-ce que j'y fais ou... Yeah. Et évidemment, pour le personnage de Steve, c'est un peu... yeah, it's overwhelming. Mais parce que pour moi, l'idée de faire du cinéma, si j'écrivais des livres, ce serait la même chose. C'est de faire... C'est une machine, c'est de créer une machine à ambiguïté ou à paradoxe. Ça, j'aime ça, quand il y a des ambiguïtés, quand les gens, évidemment, vont pas voir le film de la même manière ou... What are your preoccupations now, not necessarily with the next project, but what are you thinking about a lot now? I'm thinking a lot about what's happening south of Canada. I'm thinking about climate change. I'm thinking about a lot of dire situations. What's your quotidien? What are you concerned with right now as not only as an artist, but as a person? Tout ce qui me préoccupe actuellement, c'est beaucoup justement dans la disparition des lucioles. J'ai l'impression qu'on vit dans un monde où est-ce qu'il y a un retour. En fait, on vit vraiment dans un monde, pour moi, dans une sorte de nouveau fascisme, on pourrait dire. Un peu comme Pasolini. C'est pour ça le titre, La disparition des lucioles, ça vient de Pierre Palo Pasolini, son article. Okay. Des lucioles, qui parlait du nouveau fascisme en Italie. Et ce nouveau fascisme-là, qui est plus invisible, il n'y a pas de yeah. d'uniforme. Yeah. Il n'y a pas les marches militaires, on n'a plus besoin de ça. C'est le capitalisme et la société du spectacle. C'est les loisirs qui ont remplacé toutes ces choses-là. Puis je pense que comme citoyen, on est tout à fait des citoyens, on est plus des consommateurs. D'ailleurs, on le voit avec la campagne électorale actuellement. On est perçu comme des consommateurs, beaucoup plus comme des clients plutôt que des citoyens. Yeah. Et les politiciens se comportent comme des vendeurs plutôt que des réels politiciens. Pour moi, ça me préoccupe. C'est beaucoup, je l'ai fait. Je vais en parler avec la disparition des lucioles parce que, évidemment, c'est un sujet qui était lourd et peut-être sombre, mais je voulais le faire d'une manière légère, puis avec une petite histoire qui peut cacher tout ça. Yeah. Parler du vide du pouvoir. Mais le point de départ avec le film, c'était vraiment le texte aussi, c'est ça. C'est le texte de Pasolini qui m'a beaucoup fait avancer là, dans mon travail, ma réflexion par rapport à ce film-là. Cool. Puis les lucioles, bon, pourquoi Pasolini utilisait la métaphore des lucioles, c'était pour justement pour parler
la lumière trop forte du pouvoir dominant qui nous empêche de voir les petites lueurs d'espoir ou les lueurs d'innocence ou les artistes ou les, le contre-pouvoir ou les discours contre. Uh-huh. On ne les voit plus parce que parfois parce qu'on est vu, on ne veut plus les voir. Uh-huh. Ou parfois c'est parce que les haut-parleurs ou la lumière trop intense des projecteurs du pouvoir, yeah, nous empêche de les voir. Fait qu'on a juste besoin d'un peu d'obscurité pour voir ces lucioles-là, parce qu'évidemment, on ne peut pas éclairer une luciole avec une lumière pour mieux la voir. Great. C'est un peu le... C'est pour ça, puis j'utilise beaucoup cette image-là à répétition dans le film. OK. Lorsqu'on voit Léo, par exemple, au terrain de baseball. Yeah. Oh, yeah. Pendant la nuit, elle se couche, puis elle se réveille le matin, puis elle est toujours éclairée par les spotlights. Yeah. Mais il n'y a plus aucun effet. Comme une luciole qu'on éclaire... Nice little touches. It's very subtle touches there. Mais c'est ça, parce que pour moi, c'est un film qui était, je le dis, c'est un peu une boutade, là, parce que ça ne sera pas perçu comme ça, évidemment, par l'ensemble des yeah. gens qui vont voir le film. Mais pour moi, c'est un film qui était très politique. Peut-être que c'est mon film le plus politique, je pense. Cool. Thank you very much, Sebastian. Appreciate it. Merci beaucoup.